Il est des animateurs de Congo Live Télévision, comme nous disons toujours que nous sommes au cœur de l'information. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans un des centres à Kinshasa, centre Révérend Kim, où les Congolais sont en masse pour porter leur choix à leur candidat de leur choix. Nous disons toujours qu'un jour pour 5 ans à venir, là, c'est le choix des Congolais à faire. Nous sommes bel et bien ici à Kinshasa pour que les Congolais puissent faire un choix illicite pour ramener le pays vers l'émergence et le développement. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous au cœur de Kinshasa notre frère Fred Placide qui est ensemble avec nous. Nous allons décrypter cette actualité ici à Kinshasa. Mon frère, il va faire son entrée parce que nous n'avons que peu de temps parce que la CENI a dévoilé déjà cette situation. Il a dit qu'il a ouvert tous les centres, il a ouvert tous les bureaux pour que les Congolais puissent faire leur choix à travers ces processus électoral. Bonjour Placide. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo Live TV qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nos vifs encouragements à nos patriotes Wazalendo qui ne cessent de se battre pour que nous puissions recouvrer notre totale souveraineté. Nos encouragements aussi doivent aller droit à nos patriotes par excellence, nos FRDC, qui ne baissent pas garde pour permettre à ce que nos concitoyens de l'Est puissent passer aussi leur moment de vote en bonne quiétude. Aujourd'hui, la CENI a lancé ses processus électoraux. C'est la date historique tant attendue, mercredi 20 décembre 2023. Aujourd'hui, tous les Congolais venus en masse ici faire le choix de leurs autorités pour les 5 ans à venir, le quinquennat à venir. Déjà, quand vous regardez cette élection qui était dans l'incertitude, les vents de report, mais aujourd'hui nous y sommes, les élections sont là, bel et bien organisées. Quelle analyse pouvez-vous faire quant à cette situation? En tout cas, la date du 20 décembre 2023, c'est une date tellement fatidique où seuls les Congolais vont décider sur le destin de leur pays. En date d'aujourd'hui, bien sûr, en exprimant les choix au travers les urnes, les choix de la personne que eux vont estimer au moins judicieuse pour apporter ou soit conduire le pays vers son apogée. Et voyant la manière dont ces élections viennent d'arriver, moi je me dis, c'est une élection qui vient de se passer comme étant une rivalité. Une rivalité, un bras de fer entre les Congolais, entre le gouvernement congolais et la communauté internationale, notamment les Américains et l'Union européenne, les Français, qui ne voulaient pas que les élections puissent avoir bel et bien lieu ici en République démocratique du Congo. Mais contre vents et marées, les élections ont bel et bien eu lieu ici chez nous en RDC. Et voilà que la population soucieuse de l'avenir de la République vient de se présenter en masse sur les différents centres d'enrôlement, les différents centres de vote pour exprimer leur choix vis-à-vis de la personne que eux estiment au moins idéale pour conduire la République vers son apogée. Et donc c'est juste ça ce que nous sommes en train de remarquer et pour nous c'est un ouf de soulagement parce qu'on avait au moins ce besoin que nous puissions recouvrer notre souveraineté. Oui, vous savez très bien, depuis un certain moment, les élections, pas seulement au Congo, les élections partout en Afrique, il y a une certaine ingérence de la communauté internationale. Mais avec l'allure que nous sommes en train d'observer présentement, on voit que pour le moment, nous sommes en train d'étendre vers notre souveraineté où seuls les Congolais vont décider sur le sort de la République pour les 5 prochaines années. Comme nous disons toujours que c'est un jour, c'est cette date historique 20 décembre pour 5 ans à venir. Pensez-vous que les Congolais aujourd'hui, après 4 cycles électoraux, le cycle de 2006, cycle de 2011, 2018, aujourd'hui on est au cycle de 2023 avec le président Denis Kadima, pensez-vous que les Congolais sont devenus matures pour faire un choix illicite? Effectivement. On acquiert la maturité
au fur et à mesure où vous traversez plusieurs expériences. Et aujourd'hui, nous sommes avec le président Denis Kadima et je me dis, la population portera au moins un choix qui est judicieux. Il y a une certaine maturité de compréhension politique pour voir qui mérite au moins diriger la nation. Et les indices sont déjà là, les signaux ne trompent pas. Il y a eu la campagne électorale, nous avons vu la manière dont la population accueillait certains candidats présidents, parce que c'est là que moi je focalise beaucoup plus mon attention. Et c'est à ce niveau qu'il y a déjà les signaux, les indices qui montrent à suffisance que non, la population est déjà mature. Il y a par exemple chez nous, à Goma, au Nord Kivu, vous avez vu la manière dont la population était en train d'accueillir plusieurs candidats qui ont eu à fouler leurs pieds à Goma. Fayoulou a foulé ses pieds à Goma, il n'a pas eu de gens. Il y a Moïse Katumbi, comparativement en 2018, en tout cas, l'engouement de la population n'était pas immense. Il y a le président Félix-Antoine Tshisekedi, en tout cas, il a fait un plein, parce que, je vous rappelle, moi-même, j'étais sur place au stade de Afia, il a plu de trois fois en ville de Goma, mais la population est restée intacte pour attendre ne fût-ce que le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres candidats qui n'ont pas eu même un public intéressant. Et c'est pourquoi on s'est dit, tous ces signaux ont montré, ont prouvé une certaine maturité de la compréhension des enjeux électoraux de la population congolaise en général. Et je me dis, ce qu'il faut savoir, il ne manque jamais des irrégularités. Et c'est tout à fait logique. Toute œuvre humaine n'a jamais manqué d'imperfection. Et pour ça, nous ne pouvons pas en vouloir à la CENI, parce qu'il y a au moins un travail des titans qui s'est déjà bâti. Et on ne peut que marcher avec ce dont on se présente, le temps qu'on doit comprendre certaines irrégularités techniques qui ne manquent jamais et organisationnelles sur certains plans et dans certains coins de la République. Parlons des irrégularités techniques, la gestion et tout, nous regardons ce contexte électoral où aujourd'hui il y a d'autres camps, il y a d'autres centres à l'intérieur de la République démocratique du Congo, qu'il y a déjà des contestations, il y a un peu de tumulte, il y a des tumultudes, mais lorsque vous regardez ces organisations de la CENI par Denis Kadima, vous vous dites que Denis Kadima a réussi, Denis Kadima organise des élections qui est crédible et transparente, ou il y a encore de quoi à dire sur l'organisation? Par rapport à l'organisation, laisse-moi vous dire qu'il y a d'abord certains critères liés à des élections démocratiques et inclusives. Il y a l'inclusivité totale. Au moins, tous les candidats, il n'y a eu personne qui a été rejeté par la Cour constitutionnelle. C'est déjà de l'inclusivité parce que certains ennemis de la République s'attendaient à ce que l'on puisse écarter tel ou tel autre candidat pour que maintenant ils puissent déclencher des troubles et des chaos dans notre pays. Malheureusement, ils ont été confondus. Au-delà de ça, chez nous, en Nord Kivu, il y a seulement certains coins de la province où la population n'a pas eu cette possibilité de voter. C'est suite certainement à tout ce dont la communauté internationale a réussi à orchestrer chez nous, au Nord Kivu. Et effectivement, c'est la guerre, la communauté internationale qui nous a imposé une guerre qui ne dit pas son nom, mais quand même... Et je dirais à 95% la population congolaise est allée aux élections. Alors, partant de l'organisation de la CENI, je vais rentrer beaucoup plus sur le plan historique. Vous savez, les contextes diffèrent. L'organisation des élections en 2023 ne viennent pas dans les mêmes contextes des organisations des élections en 2018. Comme vous pouvez le voir, en 2018, il n'y avait pas beaucoup de tensions, il n'y avait pas beaucoup de tiraillements entre le gouvernement congolais et, je dirais, la communauté internationale, les soi-disant grandes puissances. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces grandes puissances, elles, d'ailleurs, ne voulaient pas qu'il y ait organisation des élections, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Vous avez vu la manière dont les observateurs de l'Union européenne, avec leur complicité, avec leur malignité, cherchaient à ce qu'ils puissent avoir une mainmise total sur les serveurs de la CENI. Et c'est là, le gouvernement congolais a dit niet, ça ne peut pas se produire, ça ne peut pas arriver. Et voilà, même à pareil instant, l'Union européenne propose qu'il y ait report des élections de ce 20 décembre. Pourtant, la population est déjà prête pour élire les candidats de son choix. Et donc, comprenez, les contextes sont totalement différents. Et c'est pourquoi, moi, je donne d'ailleurs des félicitations à Denis Kadima, lui qui a réussi à organiser des élections contre vents et marées,
dans les timides, dans des tensions inimaginables sur le plan diplomatique, mais quand même il y a des élections comme ça se présente. Et donc pour ça, nous ne pouvons que féliciter Denis Kadima et toute son équipe, vu leur bravoure d'organiser les élections, au moins dans le strict respect de la Constitution. Donc, c'est dans les délais constitutionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à encourager. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons attendre, parce que nous avons vu, nous sommes ici en plein centre, nous sommes à Kinshasa, vous avez vu, et comment est-ce que la population kinoise a pris à bras les corps ces élections. Est-ce que la volonté exprimée de la population congolaise sera bel et bien la volonté des urnes qui sera publiée par Denis Kadima avant le 31 décembre. Nous espérons très bien parce que avec l'allure que les élections font bon match, donc on comprend très bien que quelque part il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Moi, je me rappelle les échéances passées en 2018. À pareil instant, il n'y avait même pas de l'Internet. Il y avait de la coupure, de la connexion Internet. Et donc, avec ça, on voit très bien que aujourd'hui, il y a quand même un ouf de soulagement. Il y a quand même de l'espoir que nous allons cette fois-ci voir les résultats publiés qui refléteront au moins l'expression populaire. Et ça, il faudrait au moins s'en féliciter. Et donc, nous attendons, nous ne saurons pas prédire ce que ça va donner, mais quand même, avec les indices palpable, avec les signaux qui sont vraiment visibles, on a de l'espoir que les résultats qui seront publiés vont refléter effectivement les choix ou soit l'expression de la population congolaise en général. Lorsque vous regardez l'étendue, parce qu'il y a aussi nos confrères qui sont dans l'est de la RDC, c'est de Goma et c'est de partout dispersés à travers l'étendue de la République pour couvrir cette activité, cette grande moment, ces grands moments historiques en République démocratique du Congo. Est-ce que vous dites en vous, étant congolais, que avant les 31 décembre, il n'y aura pas de contestation en ce qui concerne ces organisations et des élections? Ce qu'il faut savoir est que avec les élections, on ne peut jamais mettre tout le monde d'accord sur un seul point. Pour dire que nous ne pouvons pas converger tous sur un même avis ou soit sur un même résultat. Ça, c'est sûr, il peut y avoir des contestations, mais au moins, les contestations doivent respecter notre constitution. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des contestations allant dans le sens de chercher à brûler la République ou des intérêts mesquins de certains politiciens véreux qui ne veulent pas la paix pour la République démocratique du Congo, qui complotent effectivement contre la nation en étant des mèches avec les ennemis de la paix, avec les multinationales qui ne nous veulent pas voir que les Congolais puissent s'épanouir, que les Congolais puissent se développer. Et donc, les contestations ne peuvent jamais manquer, mais au moins, le fait que nous espérons, le fait que la CENI va publier les résultats qui vont refléter au moins l'expression populaire, là, nous disons que les contestations ne seront pas vraiment drastiques, les contestations seront les plus vite maîtrisées, mais quand même, nous pouvons recommander aussi à certains politiciens, parce que ce sont ces politiciens qui sont instigateurs de plusieurs troubles, de plusieurs contestations en République démocratique du Congo. Nous leur disons ceci, peu importe les résultats, il faudrait être en mesure de respecter ou soit d'accepter sportivement les résultats qui émaneront des choix de la population, les résultats que la CENI va nous présenter. Et donc, pour vos intérêts mesquins, nous vous prions de ne pas chercher à brûler la République démocratique du Congo, car nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays et nous pouvons tous consolider les acquis. Nous devons œuvrer pour au moins la consolidation de l'unité de la République démocratique du Congo. Message à la population congolaise face à cette période. À la population congolaise de ne pas céder à une quelconque manipulation émanant de n'importe quel politicien véreux qui cherchera à tout prix à brûler la République pour ses intérêts mesquins. Restons solidaires, restons unis pour la cause de la République et ainsi nous allons imposer le respect et la dignité de l'homme congolais qui a été longtemps bafoué par l'homme occidental mais aussi par ses petits pays voisins pauvres qui cherchent toujours à agresser la République. Nous ne souhaiterons pas finir cette émission sans pour autant glisser un petit mot par rapport à notre mission ici en ville-province de Kinshasa, où nous rappelons que nous sommes ici en ville-province de Kinshasa dans le but
de participer à la campagne de mobilisation des fonds pour soutenir nos compatriotes Wazalendo qui sont sur les différentes lignes de front en vue de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national congolais. Vous êtes congolais, vous êtes conscient du travail des titans que nos patriotes Wazalendo sont en train d'abattre sur les différentes lignes de front, là à l'est de la RDC. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre contribution pour reconnaître, mais aussi pour encourager le travail qu'effectuent nos compatriotes Wazalendo qui ne baissent pas garde en vue de bloquer les plans de l'Occident qui manipule bien sûr les marionnettes Kagame, les marionnettes Ruto, les marionnettes Museveni pour déstabiliser la République. Un grand merci à vous, M. Plasti. C'est plutôt nous qui vous remercions, M. le journaliste. Merci beaucoup. Merci aussi. Ok. Alors, je peux vous libérer déjà. Il n'y a pas de souci. Ok, allez-y. F Télévision, nous sommes là pour vous informer. Nous, comme nous disons toujours que vous allez au cœur de l'information pour vous permettre d'être informé à temps réel. La population a pris bras le corps ces élections. La population est venue en masse pour choisir leurs autorités pour enfin conduire la République démocratique du Congo vers les 5 ans à venir. Parce que nous voulons tous consolider les acquis. Nous voulons tous amener le pays au développement et à l'intégrité territoriale, protéger nos frontières, protéger nos acquis, protéger ce que nous avons déjà reçu. Voilà ce que la population est venue en masse pour prendre à bras le corps ces élections. Nous espérons que c'est avant le 31 décembre, nous aurons bel et bien la voix exprimée de la population qui sera dans le verdict de notre président Denis Kadima. Nous vous disons un grand merci. C'était au cœur de Kinshasa que nous avons eu à réaliser cette émission. Restez connectés, restez branchés sur Congo Live Télévision. À tout à l'heure.